Bonjour, Michael Mention, en direct de la Foire du Livre de Bruxelles. Je suis ici pour mon roman Jeudi Noir, paru aux éditions Ombre Noire cette année, qui est consacré au célèbre match de football France-RFA 82, la Coupe du Monde de 82. Je ne suis pas du tout un spécialiste de foot à la base, mais ce qui m'a intéressé en premier lieu, c'est l'histoire. Je suis passionné d'histoire et de rock. Or, ce match, au-delà des aspects sportifs, émotionnels, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il se passe en 82, qui est une époque charnière dans le monde, pour la France évidemment, parce que la France venait de basculer du côté socialiste avec Mitterrand. Et en même temps, en 82, on assiste aux premières désillusions. Il y a sa politique, c'est quelques temps avant que justement le pays ne s'ouvre au libéralisme, au monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est aussi une époque où il y a Thatcher en Angleterre, il y a Reagan aux États-Unis. Donc 82, c'est vraiment une époque charnière. C'était ça qui m'intéressait justement de traiter dans ce roman, à travers une rencontre sportive qui montre, justement, qui décrit un choc entre deux pays, deux nations, deux cultures, avec le fameux drame, la fameuse agression contre Patrick Battiston, joueur français, par le goal allemand, Schumacher. Et en même temps, ce qui m'intéressait surtout, c'était d'en finir avec les idées reçues et l'aigreur consécutive à ce fameux match qui a contribué à l'époque à relancer une certaine haine envers les Allemands, liée à la Seconde Guerre mondiale évidemment. Donc voilà, pour simplifier les choses, je dirais que j'ai écrit Jeudi Noir pour quelque part montrer que qu'on soit français, allemand, malien, australien ou autre, on est tous susceptibles dans un certain contexte de basculer dans la haine et qu'il n'y a pas forcément ce clivage bien mal dans lequel on nous éduque, dans lequel les médias ont tendance à nous enfermer. Et c'est justement un livre que j'ai voulu très sombre, assez poisseux, justement dans l'exploration du sentiment de haine et de xénophobie, pour montrer qu'au final, en fait, tout ça n'est que du temps perdu et que comme on va tous mourir un jour ou l'autre, ce serait peut-être bien qu'on essaye de vivre ensemble. Je sais que c'est un peu idéaliste à l'heure actuelle, mais en tout cas, j'aime croire à ce genre d'idées. Et puis même si c'est difficilement réalisable, ça peut être mon créneau en termes d'écriture. Au sujet des liaisons dangereuses, ce qui peut être intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde très médiatique, on nous parle de réseaux sociaux, donc on est dans un monde connecté, interconnecté. Or, c'est vrai que si on parle de liaisons dangereuses, c'est vrai que quand on voit par exemple l'abondance, la surabondance d'informations, la surabondance de polémiques et de fausses polémiques qu'il peut y avoir aujourd'hui, on peut se retrouver avec des liens entre les êtres qui peuvent à terme se retrouver dangereux parce que ça peut être le nid de plusieurs rumeurs, par exemple. Donc c'est vrai que c'est en ça, je pense que le livre peut être encore actuel. Et puis plus précisément, par rapport au mien, par rapport à Jeudi Noir, si on parle de liaison dangereuse entre la France et l'Allemagne à l'époque, et c'est justement sur ça que ça m'intéressait de travailler dans Jeudi Noir, c'était de montrer déjà d'une part que l'ennemi héréditaire de la France n'est pas l'Allemagne, contrairement aux idées reçues, et que c'est plus l'Angleterre, si on regarde l'histoire de France, et de montrer aussi qu'effectivement il y a eu, donc il y a eu 1870, il y a eu la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, donc il y a eu évidemment une énorme animosité entre la France et l'Allemagne lors de certaines périodes, mais on va dire qu'il y a quand même des liens forts entre nos deux pays. Et que du coup, des liaisons dangereuses peuvent redevenir des liaisons constructives avec le temps et peuvent à nouveau redevenir dangereuses. C'est l'avantage et le problème du temps qui passe, c'est qu'à la fois on construit et on déconstruit aussi ce qui se passe. C'est pour ça qu'un travail de mémoire est important, je pense, pour permettre justement de recimenter les individus,
les populations, les communautés, les êtres.